Donc, Olivier Mocquart, commissaire aux comptes de votre association. Donc, nouveau format pour la présentation de mon rapport de commissaire aux comptes sur les comptes annuels de votre association. Le contexte sanitaire conduit à ce que je vous transmets donc cette vidéo qui va correspondre à la lecture de mon rapport de commissaire aux comptes, comme je pouvais le faire l'année dernière lors de votre assemblée générale. Et cette vidéo reprendra les éléments habituels qu'un commissaire aux comptes doit transmettre aux adhérents d'une association. Donc, sur les comptes 2019 qui ont dû être présentés par votre conseil d'administration ou votre expert comptable, eh bien, le commissaire aux comptes, après cette lecture, intervient pour donner son opinion sur les comptes annuels. Vous savez que le commissaire aux comptes qui était désigné dans votre association doit confirmer que les chiffres qui viennent de vous être présentés sont bien conformes, réguliers, sincères et que vous avez bien eu l'image fidèle de la situation économique et financière de votre association. Donc pour ce faire, nous avons réalisé bien sûr un contrôle des comptes, un audit, des sondages, un ensemble de contrôles qui nous ont permis de s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur ou anomalie dans ces comptes 2019. Donc mon rapport comporte donc une certification des comptes. Donc, je confirme les chiffres de cet exercice 2019. Donc, je cite donc un excédent cette année donc de 2 569 euros et des fonds associatifs qui s'élèvent à 67 771 euros, qui représentent donc un fonds de roulement qu'on peut considérer comme suffisant pour le bon fonctionnement de votre association. Donc, retenez une certification des comptes, donc une confirmation que vous pouvez avoir confiance sur les comptes de votre association. Et en quelque sorte aussi de confirmer la bonne organisation et la transparence dans la gestion de l'association. Voilà, donc vous avez les éléments nécessaires pour voter sur les comptes annuels. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans cette Assemblée générale au format particulier, en espérant très sincèrement de faire une prochaine présentation de nos rapports en présentiel et auprès de vous. Voilà, bonne continuation et au revoir.